Alors bonjour Carlos Gottlieb. Tout d'abord, je suis heureuse en tant que directrice de la nouvelle collection Architecture et Paysages aux Presses Universitaires de Bordeaux, que ce soit votre ouvrage sur le projet urbain en Espagne qui inaugure cette collection, parce qu'elle a beaucoup d'intérêt à la fois du point de vue du sujet, sur le projet de mise en forme de l'espace urbain, que vous considérez non seulement comme un opérateur de transformation, mais aussi comme un révélateur de toutes les mutations profondes qui traversent la ville aujourd'hui. Et puis aussi parce que c'est un travail qui rentre avec un œil averti à la fois de l'extérieur et de l'intérieur dans une façon de faire la ville, dans une autre culture, qui est donc en l'occurrence la culture espagnole. Alors ça nous permet de resituer, de mieux comprendre notre propre façon de faire, mais ça montre aussi que cette approche transculturelle, elle autorise une lecture des forces multiples, contradictoires, complexes, qui sous-tendent la fabrication de l'espace. Et c'est ça qui est passionnant dans votre ouvrage. Alors, d'abord peut-être, justement, pour expliquer tout ça, quelques mots sur... voilà, qui vous êtes, quel est votre parcours, de quelle manière cet ouvrage aujourd'hui se présente. Très bien. Et bonjour, donc Claire Parent, merci beaucoup de cette présentation. Et je suis très content, en effet, que cet ouvrage inaugure cette collection Architecture et Paysages. Et moi-même, je suis Carlos Gottlieb, architecte urbaniste. Je suis diplômé de la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Buenos Aires. Et j'ai fait mes études dans les années 80, donc c'était une époque pas facile donc en Argentine, mais quand même on recevait et on était très curieux de tout ce qui s'est passé à l'étranger, en Europe, notamment les débats autour du projet urbain, et c'est ça qui m'a mené, une fois mes études finies, de venir en France pour suivre des études où justement je voulais participer et vraiment de manière directe de ces débats sur les projets urbains. Et c'est comme ça que j'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris-Belleville. C'était un post-diplôme, voilà, à l'époque qui commençait sous la direction de Bernard Huette sur ces questions du projet urbain. Et j'ai fait aussi des études et des spécialisations en urbanisme à l'Institut français d'urbanisme. Et à partir de là, j'ai eu une pratique d'architecte urbaniste. Et aussi, je me suis intéressé à ces questions d'actualité et concernant les projets urbains, et notamment en écrivant régulièrement sur l'Espagne, ce qui m'a rendu donc très curieux de la manière comment donc ces démarches des projets urbains étaient suivies dans ces pays. Et par la suite, j'ai postulé, j'étais admis comme enseignant à l'école d'architecture et des paysages de Bordeaux, et qui pour moi c'était aussi donc une occasion vraiment donc assez particulière, parce que cette école, justement, donc par cette manière, cette approche, justement, donc pluridisciplinaire et pluriculturelle, ouvert donc à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage, c'était donc vraiment donc un lieu de pédagogique, de recherche assez favorable pour ces questions relatives donc au projet de la grande échelle. Et voilà, donc finalement je fais donc une thèse de doctorat, et une thèse qui profitait de cette expérience. Je l'ai fait, on fait une thèse généralement donc quand on finit des études, tout de suite après les études. Bon, moi je l'ai fait donc beaucoup plus tard, et ce qu'on appelle une thèse de maturité, mais qui m'a permis de capitaliser cette expérience à la fois pluridisciplinaire et pluriculturelle. Et c'est donc cette thèse sur l'évolution de la notion du projet urbain en Espagne, en comparant Madrid et Barcelone, et qui
a été élaboré et avec deux universités, Paris 8 et l'Université de Madrid, et qui est à l'origine de cet ouvrage. Très bien. Alors, il y a dans ce travail une hypothèse centrale que vous avancez, qui concerne le projet urbain que vous considérez comme une instance de médiation, qui est indissociable d'un projet politique et indissociable du contexte sociétal dans lequel il s'inscrit. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur les grandes phases de ces évolutions dans le cas de Barcelone et de Madrid, que vous avez particulièrement approfondi ? Oui, la question du politique est fondamentale dans cette démarche des projets urbains. Et il faut donc mettre ça dans un contexte de l'évolution de la pensée urbaine. Et on se situe dans les années 70-80 et après 68, où justement, donc, c'est un moment d'effervescence, des contestations d'idées, et on conteste beaucoup les démarches de planification et des Trente Glorieuses qui étaient très efficace, bien sûr, pour accompagner donc la reconstruction et l'équipement des pays européens, notamment donc après la Deuxième Guerre mondiale, mais que au bout d'un moment, donc on avait épuisé donc son utilité et du coup elle était plus opérante, parce que bien sûr donc il y a déjà donc la crise de ces modèles d'intervention d'État providence et on cherche d'autres manières d'intervenir dans l'espace que par ces modèles modernes qui étaient utilisés pendant les Trente Glorieuses et qui avaient été très utiles, mais qui avaient produit aussi des effets contestés, comme des quartiers enclavés ou de centres-villes qu'on décidait d'assainir, peut-être par de bonnes causes, mais finalement donc on détruisait et vraiment donc des milieux riches culturellement. Donc face à ça, et il y a donc dans les années 70-80 des groupes d'intellectuels, d'architectes, mais associés aussi à des groupes politiques qui s'intéressent à une autre démarche de faire la ville en accompagnant des mouvements sociaux et qui contestaient ces modèles imposés et qui peut-être ne répondaient pas à leurs besoins. Et la démarche des projets urbains s'est avérée très, très, très efficace pour accompagner ces dynamiques. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux instances, à la démarche, disons, des Trente Glorieuses, qu'on appelle fonctionnalistes, issus de principes des mouvements modernes en architecture, et qui étaient fondés sur des idéaux universels, et d'hygiène, des standards, et elle était, et du coup, très, très, très loin, donc, des réalités locales, quand c'était pas l'État qui pouvait pas, donc, les porter, qui était le cas donc dans la crise des années 70, on a vu qu'il y avait un vide qu'il fallait donc là combler. Et donc cette démarche des projets urbains, du coup, est apparue pour combler ces vides, parce que on s'intéressait à une manière plus collective, plus ancrée dans l'histoire, dans les locales, dans les territoires, et pour agir dans la ville, portée par les politiques, et qui justement prenaient en compte ces besoins. Et les architectes, comme vous le dites, étaient des médiateurs qui avaient un savoir inscrit dans la pensée des longues durées et qu'il fallait donc revisiter. Et c'est ça ce qui était dans la démarche des projets urbains. Et dans les cas de Madrid et Barcelone, pour répondre à cette dernière partie de la question, était justement donc une occasion assez exceptionnelle, parce que l'Espagne était justement dans les années 70-80, c'était la fin du franquisme, l'avènement de la démocratie, les premières élections municipales locales, et du coup les nouvelles équipes justement donc portaient ces messages des renouveaux conceptuels
et la démarche des projets urbains s'est prêtée et très bien pour agir de manière précise en accompagnant les populations qui, justement, dans le cadre de ces renouveaux démocratiques, chercher une action concrète dans l'espace accompagnée par des politiques. Et les architectes, du coup, devenaient au service de cette chaîne de production d'un savoir opérante très efficace. Et alors, par la suite, l'après-franquisme, il y a une évolution très, très nette. C'est, cette démarche de projet urbain, elle cherchait finalement de faire du qualitatif face à ces démarches neutres qui cherchaient l'universalité mais qui étaient très détachées donc des réalités des territoires propres à la pensée moderne. Donc cette démarche des projets urbains qui était appliquée et de manière assez riche et en Espagne, c'est pour ça que j'appelle l'Espagne un laboratoire d'application de la notion des projets urbains, et elle était victime de son succès parce que et après donc les premières élections démocratiques, et les équipes municipales ont mis en place ces démarches, et notamment dans la création d'espaces publics qui étaient justement des instances des projets principales d'application de la notion de projet urbain. Donc cette création d'espaces publics, beaucoup à Barcelone, qui a été publiée partout dans la presse spécialisée, et c'est montré des marchés très efficaces pour qualifier des villes, pour qualifier des périphéries. Et comme j'ai dit, cette démarche a été victime de son succès, et parce que il y a un glissement qui s'opère. Du coup, dans les années 90, on rentre de plein pied dans la mondialisation, la globalisation économique, l'État, il est moins présent. Ce sont les acteurs locaux, les villes qui sont lancées dans ces concurrences de développement au niveau de la planète. Et du coup, les villes, donc, s'emparent de cette notion des projets urbains, justement pour mettre en place des projets qui veulent les faire figurer dans cette course concurrentielle au niveau de la planète. Et du coup, c'est les projets urbains et les plus au service de servir à ces développements économiques, s'éloignant donc en quelque sorte des premières finalités justement d'être au service plus du social et du culturel. Alors, est-ce que cette évolution donc, et ce passage des expérimentations au modèle, comme vous l'avez nommé, on a pu l'observer en parallèle dans d'autres pays d'Europe, où c'est vraiment spécifique à la situation politique qu'a connue l'Espagne pendant cette période? Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui s'est passé en France ou en Allemagne ou en Angleterre? Bien sûr. Cette notion des projets urbains, en effet, elle est transversale à toute l'Europe, parce qu'elle se pose justement dans des pays qui ont une culture locale, qui ont un patrimoine, qui ont une histoire qui est révisitée par l'architecture et par l'urbanisme. Donc, tous les pays européens, donc dans les années 80 et 90, s'élancent dans des projets urbains et accordent beaucoup d'importance donc à la question de l'espace public. Et en France, tout particulièrement, dans les années 80, et aussi bien donc les politiques de la ville ou les politiques d'équipement du territoire, et elles sont très ancrées dans ces questions de la prise en compte des cultures locales, des réalités locales. Donc en France, c'est cette question du projet urbain, et vraiment donc c'est une question très importante qui est justement se répand dans les années 80. Et donc en Espagne, ce qui se passe, c'est que il y a, comme je le dis, donc une dynamique assez intéressante dans les premières années de l'avènement de la démocratie, et il y a une expérimentation
Barcelone expérimente en créant des espaces publics, en se servant des Jeux olympiques, des événements, justement, donc pour faire une vitrine de ce qui se fait. C'est le cas aussi à Madrid. Et du coup, ce caractère expérimental devient comme un modèle qu'on veut même exporter en Barcelone, donc en tout cas affiche cette volonté d'exporter son modèle, notamment en Amérique latine. Et du coup, voilà, donc c'est avec cette phase de glissement, d'expérimentation vers les modèles, en quelque sorte, il y a un agrandissement du rayonnement de cette notion, mais une réduction de son poids culturel ou politique. Donc je pense que ça, on le trouve partout, hein, dans notre pays, en France, on le trouve également. Mais alors justement, peut-être qu'il y a, on aborde depuis quand même une bonne dizaine d'années en France, une phase un peu différente, c'est-à-dire qu'on remet beaucoup en cause la question des grands projets, déjà des projets de grande envergure. On parle du réemploi, du recyclage, d'une approche beaucoup plus concertée, des questions beaucoup plus localisées. Et puis bien sûr, il y a cette perspective d'un développement soutenable pour la ville et pour les territoires d'une façon générale. Donc est-ce que cette instance du projet urbain, telle que vous l'avez bien définie à travers votre travail, elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle est susceptible de se renouveler et de perdurer? Voilà, qu'en pensez-vous en France et peut-être en Espagne? Il y a ces problématiques nouvelles, cette prise de conscience environnementale, n'est-ce pas, et qui est d'ailleurs, donc les politiques s'en emparent, la législation, et puis des expérimentations qui émergent ici et là par beaucoup de collectifs, et de manière donc dans des circuits informels. C'est déjà donc assez intéressant. Et elle, justement, donc, elle redirige donc l'attention sur d'autres questionnements. La question donc du milieu local, aussi bien du milieu donc environnemental, culturel et politique, et comme acteur clé, et justement donc face aux enjeux de la transition écologique, pour donner donc un concept clé de ces moments. Donc voilà, les questions donc sont de cet ordre-là, et je crois que la démarche de projet urbain peut apporter des enseignements. Et c'est vrai que on est aller, et ce que j'ai observé dans mon ouvrage, que j'ai voulu donc en tout cas étudier et qui fait l'objet donc de ma recherche, c'est ces passages, ces glissements donc entre l'expérimental et les modèles qui d'ailleurs fait crise. En Espagne, ce modèle il fait crise, et dans les années 2008, où cette course donc vers l'avant, et dans la production d'un espace, la production de la ville comme bien économique, on s'est rendu compte que finalement elle était quelque chose d'irréel et fait crise, et les modèles évoluaient en éclat. Donc maintenant, il y a, je crois, une instance expérimentale assez intéressante à explorer, qu'on l'explore en Espagne, qu'on l'explore donc en France, justement, ces expériences participatives, émancipatrices, en effet, qui convoquent des collectifs et avec un besoin, une nouvelle donc recherche d'associations avec les politiques à l'échelle locale, mais avec des acteurs de l'économie locale, et pour en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, les projets, il n'est pas juste au service de créer un environnement qualitatif
qui est défini par les politiques, répondant à des besoins sociaux identifiés, mais le protagonisme des acteurs, il est plus important. Donc je pense que voilà, on est dans une nouvelle phase de faire des projets et où cette recherche des qualités et elle passe surtout pour une qualité environnementale comprise comme donc une réponse à la fois à des questions de biodiversité, mais aussi à des questions des cultures locales, à des questions des réponses à des inégalités sociales. Le projet, je pense que là, il y a un chantier assez important pour son avenir. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ces questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Claire.